Bonjour, bonjour à tous, bienvenue bonjour. À cette nouvelle édition des tables rondes d'innovation et cross-média, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur les principaux enjeux des directions marketing et e-business en 2014. Alors il paraît qu'en 2013 c'était l'année du big data, de la personnalisation, du mobile, l'année aussi des réseaux sociaux. Alors face aux perpétuelles évolutions des usages des consommateurs, est-ce que ces leviers ont suffi pour offrir aux clients une relation unique? Quelles sont les nouvelles opportunités que les marques doivent saisir pour accélérer les ventes en 2014, mais aussi pour proposer une relation privilégiée, une relation unique sur l'ensemble des points de contact? Et quel est l'impact aussi sur les organisations? Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec nos quatre invités qui nous ont fait le plaisir de venir pour un retour d'expérience, et je vais vous présenter. Alors, Anne-Véronique Bellac, vous êtes directrice marketing et e-commerce d'Auchan, un des leaders mondiaux de la grande distribution. Sophie Bogdelin, vous êtes directrice marketing de L'Ossieur, la référence dans l'univers de l'huile et des sauces condimentaires. Guillaume Dugardier, vous êtes interactive media manager France chez Ferrero, quatrième groupe mondial en confiserie et chocolaterie, en charge de l'intégralité des marques, c'est ça, Kinder, ouais, Nutella, Tic Tac et le portefeuille Praline. Oui. Et à ma droite, Romain Rouleau, vous êtes directeur e-commerce du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial et leader en Europe. Tout à fait. Alors, je vais commencer avec vous, Anne-Véronique. Le groupe Auchan a développé ses activités e-commerce en 2010 avec la volonté justement d'offrir des solutions multiples en matière de courses pour ces consommateurs. Quelles sont vos priorités, vos enjeux sur 2014? Alors effectivement, le groupe Auchan a développé une division e-commerce, donc avec la volonté de composer et de rassembler les compétences e-commerce. Et donc en fait, pour Auchan, l'enjeu, c'est vraiment de répondre à l'évolution des usages des consommateurs, pour lesquels finalement le cross-canal est devenu une exigence et dans lequel la mobilité joue un rôle prédominant. Le deuxième enjeu, c'est donc d'avoir des parcours de course qui soient simples et puis qui soient cohérents, c'est-à-dire complètement unifiés entre le online et la réalité physique du magasin. Et puis, le troisième enjeu, c'est aussi la conquête de nouveaux clients. D'accord. Vous nous direz justement tout à l'heure comment ça se passe, comment ça se déroule. Sophie Bogdelin, pour le groupe L'Ossieur, donc le groupe L'Ossieur qui contient plusieurs marques aussi. Vous êtes une entreprise centenaire qui bénéficie d'une image positive auprès des consommateurs et qui est boostée aussi par le digital. Quelles sont aussi vos priorités sur 2014? Alors chez L'Ossieur, nos enjeux, c'est de travailler la préférence de marque et aussi de contribuer à développer les catégories produits huile notamment, avec des messages simples, nutritionnels, du type la consommation modérée d'huile chaque jour vous permet d'avoir les oméga 3 et 6 qui ne sont pas synthétisés par le corps. Voilà, donc c'est des messages un peu complexes sur lesquels le digital est capital. Et puis on veut aussi travailler la proximité, faire connaître nos innovations comme Stop Goutte et Duo cette année. On veut également rajeunir la cible. Et là, Facebook nous aide beaucoup. Et puis, accroître l'impact de nos opérations en passant d'opérations qui génèrent des milliers de ventes à plutôt des millions de ventes. C'est prometteur. Merci. Alors, Guillaume Dugardier, pour les marques Ferrero, le digital aussi s'est imposé comme un fer de lance fort dans votre stratégie marketing. Vous avez capté des cibles de consommateurs qui sont aujourd'hui fidèles. Quelles seront aussi vos priorités pour continuer de vous adresser à elles? Le grand enjeu pour le digital cette année, pour nous, va vraiment consister à renforcer les relations online que nous avons initiées ces dernières années avec nos consommateurs, en développant des expériences de marque originales qui vont s'appuyer sur des programmes forts de contenu. Donc c'est vraiment cet équilibre entre un contenu, entre beaucoup d'interactions, et donc s'assurer de passer un maximum de temps en échange avec nos consommateurs. C'est vraiment le grand enjeu pour cette année 2014. D'accord. Et Romain Rouleau, pour le groupe Accor, alors contrairement, on a vu qu'il y avait un distributeur des marques grande consommation. Pour vous, pour un groupe hôtelier, le canal de prédilection, c'est le web, c'est le digital, qui est devenu le premier moyen pour trouver un hôtel. Quels seront aussi vos enjeux sur 2014? Tout à fait.
Donc le web est aujourd'hui effectivement le premier canal de réservation après le canal traditionnel qui est le canal de ce qu'on appelle de réservation directe à l'hôtel, qui reste toujours dans l'hôtellerie assez fort. Notre enjeu sur le web, c'est d'abord de focaliser sur nos canaux directs, sur nos propres sites, puisque tout le monde utilise de plus en plus Internet pour rechercher et pour réserver son hôtel, et qu'on a une montée en puissance des distributeurs qui sont nos partenaires, mais également nos concurrents sur la toile. Le deuxième enjeu, c'est le mobile, puisque le mobile est le device, le support qui, en plus de la réservation, a une logique d'accompagnement complète du client dans tout le parcours. Et le troisième enjeu, qui était un enjeu beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, c'est de rendre l'expérience client dans la réservation, mais surtout dans le séjour et dans l'après-séjour, complètement digitalisée.